Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une petite ouverture de jeu. Donc j'ai deux jeux de série identiques. Donc on a le Mucha et le Goketsu. Je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est comme ça. Donc le Mucha, c'est celui-là, le violet. Et le Goketsu, c'est on va dire le noir. Donc deux jeux similaires au niveau des. Au niveau des étuis qui est ici, autant sur la face que sur le dos. Donc au moins comme ça on va les montrer les deux en même temps. Donc on a un étui qui est assez coloré sur les côtés. Donc on a le même design ici que là. Voilà, donc ça reste du bicycle. Et à l'arrière l'étui, les trucs classiques, quand ça a été designé, par qui et l'année. Ça, rien de transcendant là-dedans. Allez, on va commencer par celui-ci. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces cartes? Donc, déjà, je vais l'étaler pour vous voir ce que ça donne à l'étalement. Donc, ça reste un jeu qui est joli au niveau des dos. Voilà. Au niveau de la face, je vais le mettre ici. Vous voyez les index des cartes, donc on différencie, même que le jeu est un petit peu colorié, on arrive bien à différencier quand même le rouge des noirs sur ce jeu-là, aucun souci. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme carte? Une carte publicitaire, une carte double dos, comme on a l'habitude de retrouver, et c'est tout. Ensuite, les deux jokers. Donc ils sont identiques, sauf qu'il y en a juste un qui regarde à gauche et l'autre à droite. Enfin identiques, il y en a un qui lève la main bien évidemment. Mais voilà. Et là comme ça on voit mieux les dos. Donc ça reste des dos assez jolis quand même. Alors le jeu, j'ai regardé, j'ai trouvé une asymétrie. Alors c'est pas, je pense, une asymétrie qui a été faite par hasard, c'est juste, je pense, par rapport au problème d'impression ou de calage des cartes, mais il y a une asymétrie car si on regarde les cartes l'une à côté de l'autre, si on regarde ici, tiens, je vais montrer avec la carte noire au moins comme ça. Alors c'est celle qui m'a sauté aux yeux d'un coup, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, mais si on regarde à l'angle là, on va dire du pseudo rideau ou de la corde, on voit un point gris qui est ici, et à l'angle pile poil, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si je cache le point noir, il n'y a pas d'autre point noir, pas d'autre point gris. Alors que ici, le point n'est pas au milieu, mais on voit qu'il dépasse de la corde qui est là. Je sais pas si on arrivera avec la caméra. Ici, là, on voit le petit point blanc ici. Alors que là, en fait, si je cache ici, il ne le voit pas. Si je mets la carte donc dans l'autre sens, on voit bien que là, j'ai le petit point gris qui est ici, à l'angle de la corde, ici aussi. Et que là, effectivement, j'ai rien là et j'ai rien là. Donc j'ai regardé tout le jeu, effectivement, tout le jeu est identique. Donc s'il y a ces défauts de points ici, il y a sûrement des défauts de points qui vont se mettre à des endroits bien spécifiques aussi. Mais celui qui m'a sauté moi le plus aux yeux d'entrée était celui-ci. Donc je considère que c'est un jeu asymétrique puisque on arrive à avoir une asymétrie. Donc tant mieux. Alors, allez, on va passer les cartes une par une pour vous les montrer. L'as de pique, on le fera après. Donc le 2. Donc ça reste des designs bien évidemment particuliers, mais qui sont largement compréhensibles. Donc il n'y a pas de souci. Allez, on va les passer une par une. Voilà les figures. Donc avec les têtes, là en l'occurrence, une tête de mort. Avec des loups. Sur le valet, Des ouais, loups. avec des loups. Ici la dame. Et le roi. Hop, l'as de carreau qu'on verra plus tard. Les carreaux. Donc là, les carreaux, il n'y a pas de souci, c'est un losange, donc on arrive bien quand même à le voir. Donc les cartes sont colorées, mais pas tant que ça au niveau des dessins, donc ça reste quand même compréhensible.
Si on regarde les figures, bon, c'est sûr que si j'enlève les index qui est ici, on ne sait pas que c'est un valet ou un roi. Mais bon, voilà. On arrive quand même à reconnaître. Là, de quoi? Ouais, c'est peut-être sûrement marqué ici, ouais. Pourquoi j'ai un as là? C'est moi qui l'ai dérangé. Voilà. Hop. Allez, la série à trèfle. Les as, comme on peut le voir, sont hop, vachement coloriés. C'est avec du coup des gros index au milieu, des gros symboles plutôt. Et on attaque, enfin, on finit plutôt avec la série des cœurs. Donc là, bon, on voit que c'est des cœurs, mais ils ont une forme quand même un petit peu bizarre. Et on termine par l'as. Donc, comme on peut voir du coup à la base, c'est toujours l'as de pique le plus décoré. Là en l'occurrence, c'est tous les as qui sont quand même assez gros. Donc ça reste assez joli. Hop, allez, un petit étalement. Du coup, j'ai moins de cartes, ça prend tout le tapis. Et voilà, donc celui-là, c'était le Goketsu.